Dans la forêt, Émilie apprend la politesse avec Zou pendant que l'âne Trot-Trot dessine la vache. Que cache la vache? Des petits moments de bonheur. Un été à Paris, je pensais apprendre à rédiger les paroles d'une chanson douce, puis courir au bal pour vous aimer. Mais j'aimais en vérité quelqu'un d'autre. Alors après, ni vu ni connu, par un matin d'automne, et par amour, j'ai épousé un communiste, un Espagnol, le petit Nicolas. Signé le petit Nicolas et Ségolène Castille. Et si c'était vrai, cette histoire? La petite fille au kimono rouge, Héloïse, et les roses anglaises vont résoudre un mystère à Paris. D'un coup, les petits mythos appellent le club des cinq, car il y a eu une disparition à Rome. C'est la reine des fourmis qui a disparu. Elle a emporté avec soi Chloé. Elles vont à la recherche de la cité. Ça s'appelle Histoire pour les petits. Will et ses frères, avec les francs de naine, Pomme et Héloïse, partent à la recherche avec le pirate chef, avec le capitaine Triple Fesse, pour remonter la rivière à l'envers. Tom de l'école, Tom Tom et Nana rencontrent le chien pourri qui a une faim de loup et qui mange une souris verte. Pendant que les mignons et les lapins crétins disent miaou. Astérix et les Normands n'ont même pas peur du noir dans un monde de cochons. À pas de velours, avec les loups de clair, du clair de lune, ils partent à la chasse aux couleurs, sur l'île au trésor, à l'ombre du flamboyant. C'est le livre le plus génial que je n'ai jamais lu. Au fil des saisons, vous allez faire la connaissance de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Ils vont découvrir avec vous les animaux disparus, les animaux de la ferme, comme le cheval, mais aussi les animaux marins, comme le dauphin et l'ours blanc. Moi, je lis Tom Tom et Nana, c'est magique, comme la cabane magique. J'aime lire aussi Le Petit Prince. Había una vez unos niños que se llamaban Alex y Randy que estaban de viaje en Mozambique. Conocieron la alucinante vida de Lucas D., que vivía en el planeta perdido. Les contó que Hitler robó el conejo rosa y lo llevó a la ciudad de las bestias, donde la princesa de la oscuridad lo tiró al lago de la ballena y el príncipe de Ben se lo dio a Lucas. La reine de neige envoya la princesse de pierre à la montagne aux trois questions, pour voir qui était le plus vaillant. Le petit prince, Anga fils de feu, ou Popotka. Un après-midi bien tranquille, la maison de Max a été cambriolée. Pas de bol. Depuis, Max et Lily ont du mal à se concentrer. Sauf au récré du petit Nicolas, car Max a la passion du foot, mais les filles contre-attaquent.
Ils attendent de grandes, grandes vacances. Voilà mon histoire avec des titres. Eres una vez un niño ciego bautizado en la Alhambra, que la luz no podía ver. Un día le preguntó a su profesor que cuál era la luz que no podía ver. Y su profesor le dijo, la luz que no puedes ver son 1000 soles espléndidos. Entonces el niño se apasionó y quiso descubrir más cosas. Y para eso su madre le compró un atlas. En avant, petit ours blanc. Où cours-tu la tortue? C'est un secret. Julie est amoureuse de Napoléon, car il lui raconte l'histoire de France grâce à le manuscrit retrouvé dans le monde de Normes. Le bloc de Maya raconte l'histoire incroyable de Malala qui habite à Paris avec 10 petites coccinelles et un scarabée magique. Adivina, adivinanza. Llegó la primavera con una esquina rota por culpa de un virus desde China. Empezaron los años del miedo y el viaje a ninguna parte, donde pusimos en duda todo lo que era sólido. El médico busca una poción mágica que nos saque de la sombra de los días para que no sea la historia interminable. No hay vida más allá del jardín. Pero con Inés y la alegría, miramos las estrellas del sur. Jugamos al fútbol, descubrimos el misterio de las galletas de chocolate y el secreto de la valentía. Pasamos estupor y temblores. Vivimos las historias de las historias. Y nos damos cuenta de que lo raro es vivir. Y lo más importante son tus amigos y el arte de amar. Le Petit Prince et l'Enfant de Sable font le voyage inspiré avec les doigts rouges à cause de Pablo Picasso qui rencontre à Ernest et Célestine au musée où la bibliothécaire est la reine de la mode. ¿De dónde viene el sistema político de la Constitución Española de 1978 de España como nación? El control de los políticos es la introducción a la lógica de los nacionalismos y naciones en Europa.